Shalom, everyone who's listening to me. I would like just to give a little testimony about the ministry of my precious brother, missionary pastor Leonard Lefesse, Brussels, Belgium. Shalom à tous ceux qui m'écoutent. J'aimerais juste rendre un petit témoignage à propos du ministère de mon précieux frère, le pasteur missionnaire Léonard Lefesse de Bruxelles en Belgique. It was just 2 days ago, I think now, in a dream or a night vision. I want to testify something that I saw. I may not be able to remember everything that I saw, and you bear me a record of that. But what God gave me grace to remember, I would like to share it with you. C'était il y a 2 jours, je crois, dans un rêve, dans une vision nocturne. Je veux témoigner de ce que j'ai vu. Il pourrait que je ne sois pas capable de me rappeler de tout ce que j'ai vu, mais j'aimerais rendre témoignage de cela. Ce dont Dieu m'accorde la grâce de me souvenir, j'aimerais le partager avec vous. In that dream, I saw my brother standing somewhere near me. Then, all of a sudden, I saw what looked like a yellowish light cover him and covered him completely until at the end of it, it was like it consumed the whole of him. Dans ce rêve, j'ai vu mon frère se tenir debout quelque part près de moi. Puis tout à coup, j'ai vu quelque chose qui ressemblait à une lumière jaune le couvrir. Cela le recouvrait complètement jusqu'à ce que c'était comme si cela l'avait enveloppé totalement. And then what followed next I saw was a man who stood now in that place where he otherwise stood before. Et ce que j'ai vu par la suite, c'était un homme qui se tenait debout où lui il était auparavant. So I saw that light cover him completely. Then that was phase one of that dream. Donc j'ai vu cette lumière le recouvrir complètement. Ceci était la phase 1 de mon rêve. The second phase I saw was a light, that same light burning. It was more brighter, more yellowish in color. And then like this, you were a fireplace somewhere. And then I looked again, the same fireplace was instituted again somewhere next to this one. Dans la deuxième phase, j'ai vu une lumière, cette même lumière, brûler et c'était plus lumineux, plus jaune. Et c'était comme un foyer lumineux quelque part. Et quand je regardais, c'était comme si ce même foyer lumineux était à côté d'un autre foyer lumineux quelque part. So now that made like 3 things. I see where the brother was standing, he's consumed that fire. Then I see what looked like a second fireplace. It was also burning. Then the third fireplace somewhere was also burning. Donc j'ai vu plusieurs choses. Premièrement, j'ai vu mon frère qui a été enveloppé par le feu. Deuxièmement, j'ai vu un foyer lumineux qui, à côté, un autre troisième foyer lumineux brûlait. So then I woke up. When I woke up from that dream,
what came into my mind was to consult what our prophet messenger William Marion Branham said something about that light. Ensuite, je me suis réveillée. Et quand je me suis réveillée, je voulais consulter ce que notre prophète messager, William Marion Branham, a dit à propos de cette lumière. So I checked my table and I was about to get it in Revelation, this message, Revelation chapter 4, where Abraham talks about that yellowish light, but there he called it an amber light that he often used to see in the presence of the Lord whenever the angel of the Lord would visit him in his meetings and so forth. Donc j'ai regardé dans mon application la table et j'ai pu voir dans Apocalypse au chapitre 4, le prophète parle de cette lumière jaune, mais là-bas il appelle la lumière ambrée. Il la voyait souvent à chaque fois que l'ange de l'Éternel le visitait. Then also, to be sure that it's scriptural, I decided to consult the Bible. And my heart was led to the book of Ezekiel, which I would like to share with you here briefly. Aussi, pour être sûr que cela est scripturaire, j'ai décidé de consulter la Bible. Et mon cœur a été conduit dans le livre d'Ézéchiel que j'aimerais partager avec vous brièvement. In the book of Ezekiel, chapter 1, verse 1, it says, Now it came to pass in the 30th year, in the fourth month, in the fifth day of the month, as I was among the captives by the river of Keba, that the heavens were opened. And I saw visions of God. In the fifth day of the month, which was the fifth year of King Joachim's captivity, the word of the Lord came expressly unto Ezekiel the priest, the son of Buzi, in the land of the Chaldeans by the river Keba. And the hand of the Lord was there upon him. And I looked, and behold, a whirlwind came out of the north, a great cloud, and a fire enfolding itself, and a brightness was about it, and out of the midst thereof, as the color of amber, out of the midst of the fire. Also, out of the midst thereof came the likeness of the four living creatures. And this was their appearance, they are the likeness of a man. So for the, my emphasis is, verse 4 says, I looked and behold, a whirlwind came out of the north, a great cloud and a fire enfolding himself, and a brightness was about it. And out of the midst thereof as the color of amber. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 1, au verset 1, il dit « La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du peuple du Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, le sacrificateur, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Kébar, et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Je regardai, et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu, qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli, sortant du milieu du feu. Au centre encore apparaissaient quatre animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Donc, au verset 4, il est dit, « Je regardai, et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu, qui se répandait de tous côtés, une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli, sortant du milieu du feu. »
So that light that Ezekiel saw was from the color of amber. And then in Revelation chapter 4 message, Balaam calls it a yellowish light. Donc cette lumière qu'Ézéchiel a vue avait une couleur d'ombre. Et dans Apocalypse 4, frère Branham l'appelle une lumière jaune. And then in the same Ezekiel chapter 1 verse 26 says, and above the firmament that was over their heads was the likeness of a throne, as the appearance of a sapphire stone, and upon the likeness of the throne was the likeness as the appearance of a man above upon it. And I saw as the color of amber, as the appearance of fire round about within it, from the appearance of his loins even upward, and from the appearance of his loins even downward. I saw as it were the appearance of fire, and it had brightness round about, and the appearance of the bow that is in the cloud in the day of rain, so was the appearance of the brightness round about. This was the appearance of the likeness of the glory of the Lord. And when I saw it, I fell upon my face, and I heard a voice of one that spake. So you realize the scripture again, Ezekiel sees the color of amber, the appearance of fire round about the throne of God. And in verse 28 speaks about that this was the appearance of the likeness of the glory of the Lord. Toujours dans Ézéchiel chapitre 1, le verset 26 dit: au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Et je vis comme du feu, comme une lumière éclatante, dont il était environné. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue, en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombai sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Au verset 28, il dit, c'était une image de la gloire de l'Éternel. So, I know that not every dream or vision is from God. Introduce yourself. But I trust that what I do is check it with the scriptures. If the vision and the dream agrees with the scriptures, then that means it is from God. Je sais que toute vision ou tout rêve n'est pas de Dieu. Mais je crois que ce que je fais, je le vérifie avec les Écritures. Si la vision ou le rêve sont en accord avec les Écritures, cela signifie que ça vient du Seigneur. So, my testimony is that with the dream, with the teaching of the prophet and the confirmation of the scriptures, which is the absolute, I believe that this was a message from the Lord communicating to me concerning the ministry of my brother, the vindicated ministry of Pastor Leonard Lefesse, the grace of the Lord upon him as a God-called servant of the Lord. Donc mon témoignage est que avec le rêve, avec l'enseignement du prophète et la confirmation de l'écriture qui est l'absolu, je crois que c'était un message que le Seigneur m'a communiqué concernant le ministère de mon frère, pour justifier le ministère de mon frère, le pasteur Léonard Lefesse, que la grâce de Dieu est sur lui et que Dieu appelle serviteur de l'Éternel. So, my name is Charles Ambra Charles Obuon, Kampala, Uganda. So, I trust that with that little testimony,
may be a blessing to each and every one of you. May God bless each and every one of you in Jesus' name. Amen. Mon nom est Frère Charles Obon de Kampala, Ouganda. Je crois que ce petit témoignage sera une bénédiction pour tous et chacun d'entre vous. Que Dieu bénisse tout un chacun d'entre vous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.